Qui était très, très inventeur et très, très créateur. Eux autres, ils passaient leur journée à inventer puis à créer. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé les couleurs de l'arc-en-ciel, tu sais. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est eux autres qui avaient inventé ça. Les oiseaux mouches, hein, ceux qui... Mais c'est eux autres qui avaient inventé les petits moteurs qui vont là-dedans. Les lucioles, hein, les mouches à feu, les petites ampoules qui éteignent puis qui allument, là, tout le monde pense que c'est les Japonais qui ont inventé ça, mais c'est les Bowman, le 15 millions d'années. Fait que, il y avait ce peuple-là qui vivait, puis il y avait aussi des barbares. Mais dans ce temps-là, il y avait deux sortes de barbares. Il y avait des barbares avec un petit B, puis des barbares avec un grand B. Les barbares, tout le monde pense que c'est des étrangers méchants. Puis c'est vrai. Mais des barbares avec un gros B, c'est des étrangers aussi, mais eux autres sont très, très méchants. Tout le monde pense aussi que des barbares, c'est gros, c'est grand, puis c'est baveux. Ah oui. C'est vrai. Mais avant d'être gros, d'être grand, puis d'être baveux, hein? Ça des petits, c'est gros puis c'est baveux aussi. Il y en a qui se reconnaissent, c'est ça. Alors, fait que là, les petits barbons baveux ont grandi avec une idée dans la tête, les gros barbons baveux qui le mettaient ça dans la tête à deux petits barbons baveux. Ils lui disaient, si vous creusez au pied de l'arc-en-ciel, vous allez trouver un trésor. Mais le même jour, si vous vous rendez à l'autre extrémité de l'arc-en-ciel, vous allez trouver un autre trésor, mais encore plus gros. Fait qu'eux autres, les petits barbares baveux, ils ont grandi avec cette idée-là dans la tête, comprenez-vous? Fait qu'il y a des barbares, à un moment donné, eux autres, ils aimaient bien ça, des arc-en-ciel noir, blanc puis gris. Fait qu'ils se sont mis à chercher c'est qui avait changé des couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ont cherché, et puis ils ont trouvé. Ils ont trouvé les Baumings. Les Baumings, ils étaient dans leur petit village. Fait que là, les barbares ont décidé d'attaquer. Mais ce que je vous avais pas dit, c'est que les Baumings, c'était des experts en boudage. Fait qu'eux autres, quand ils se sont sentis attaqués, ils boudaient. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris deux doigts, ils ont mis ça sur un genou, ils ont pris deux autres doigts, ils ont mis ça sur l'autre genou, ils se sont mis en petit bonhomme, puis ils se sont mis à bouder. Les barbares insultés, ils ont incendié le village. Puis quand ils ont vu que les Baumings ne leur donnaient pas le secret des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ils ont décidé de lui couper les langues. Fait que les Baumings se sont penchés à terre, ont ramassé deux langues qui grouillaient encore à terre, puis ont mis ça dans leur poche. D'où l'expression, on va la lancer. 15 millions d'années de ça. Fait que là, les Baumings, les autres, pour se sauver, ils ont monté en haut d'une montagne. Fait qu'ils sont montés pas mal plus haut que les barbares étaient capables de penser que les Baumings étaient capables de monter. Fait que les Baumings étaient en haut, les barbares étaient en bas dans un amas de poussière. Et puis rendus en haut de la montagne, les Baumings ont décidé de creuser. Puis de creuser. Puis je veux qu'un peuple qui creuse en même temps, ça fait un méchant trou. Et puis ils sont arrivés au cœur de la planète. Ils ont vu une porte, et ont dit, ça doit être ici, le cœur de la planète. Dans ce temps-là, la planète, ça battait pas, boum, 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 boum. Ça faisait une affaire comme pouf, 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 pouf. Ben, je vous l'annonce ici d'asseoir, les Romains, c'est eux autres qui ont inventé le premier pontage coronarien. Fait que le cœur de la planète s'est mis à battre naturellement, puis boum, 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 boum. Et je ne sais pas si c'est le fait d'avoir trouvé des métaux précieux, de l'or, de toutes sortes d'affaires, mais toujours est-il que les Baumings étaient revenus en vie, et puis il y en a même un qui a trouvé un objet, qu'en soufflant dedans, ça faisait aboyer les chiens, ça réveillait les enfants, puis ça faisait danser les femmes.
Fait que les Baumines, je vous l'avais dit, c'était un peuple très très intelligent. C'est devenu le premier peuple sur Terre à communiquer avec la musique. Et où ce que je voulais en venir, c'est qu'ici ce soir, on a des descendants des Baumines. Mesdames et messieurs, je vous présente. C'est des gens qui savent communiquer avec la musique d'une façon extraordinaire. Alors, Éric Baudry, Stéphanie Lépine, Jean-Claude Mirandette et nul autre que M. Jean-Paul Boyer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle soirée avec Hochner. Et puis pour les chansons, ben, je pense que c'est du traditionnel pour la plupart aussi. Parce que si tu veux, moi, je ne compose pas. Grand-Claude n'est pas sorti ses tunes, là. C'est composition pour la soirée, donc. On va commencer ça avec un petit air qu'on a composé pour un couple des États-Unis qui nous avait reçu du temps qu'on était dans les Frères Labrie, la fameuse orchestre de Lenaudière. Ah, ben, je la connais, la Et puis, j'ai composé deux petites airs pour la remercier de nous avoir reçus en camping. Alors, ça va comme ça. Thank you.
Thank you.
travailler. Thank you.
expliquer ça bien tranquillement. Thank you.
Ça n'en prend. C'est le groupe au complet que ça prend. Et c'est juste un mantra que ça prend. Okay. Alors, c'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à